Tu sais, j'ai l'impression que, genre, chaque week-end, c'est le rendez-vous du match de hockey sur gueule des keufs de France, quoi. À Paris, tu sais, on dirait que c'est un championnat, quoi. Match de hockey sur gueule. Ou match de tennis, tu sais, c'est nous, on est plein de balles jaunes. Tu vois? Plein de balles jaunes, tiens, regarde, tu vois, ça c'est le trait et tout de la balle de tennis, tu vois. On est plein de balles jaunes. Et donc, tu as Yannick Noah CRS d'un côté, je sais pas, John Bock CRS de l'autre, chacun avec sa matraque en guise de raquette. Voilà, 15A pour les gendarmes mobiles. 30-15 pour les CRS. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Et donc, du coup, à part la baston contre les CRS, il y a quoi? Il est là, le problème, pendant combien de week-ends on va aller autour de l'Arc de Triomphe pour gueuler Macron démission, avoir tout plein de revendications et se faire matraquer, gazer la gueule, flashballer, etc. Embarquer, etc. Pour rentrer chez soi et dire, oh, allez, acte 7, acte 9, acte 10, acte 11. Je pense qu'il faut changer de stratégie. Parce que là, eux, ils ont compris, tu vois, ils lisent tout ça. Voilà, il faut changer de stratégie, quoi. Si occupation il y a, faut occuper vraiment, mais comme ils le font pendant les coups d'État, tu vois, t'occupes les médias, les télés, les radios, mais de partout en France, hein. Les sièges de grosses entreprises. La plupart sont à Paris, mais il y en a en province aussi. Ouais, c'est pas que les raffineries ou quoi. Hein. Les raffineries, ils en ont ailleurs et ils trouveront toujours le moyen. Voilà, tu fais une opération ville morte. Comme certains le préconisent. Là, s'il n'y a personne qui sort, ils sont morts, aucun commerce ne marche. Personne. Comme, depuis le début du mouvement, il est clair que le gouvernement prépare leur parachute, leur matelas, les flics deviennent particulièrement violents. Tandis qu'il y en a d'autres qui s'adoucissent. Tu vois?